Madame Martine Terrer, en ligne, vous allez avoir l'image vidéo. Madame Martine Terrer, représentante résidente adjointe du programme des Nations Unies pour le développement au Maroc. Madame la professeure Zahach Khrouni, Senior Fellow Policy Center for the New South. En ligne, Monsieur Jesko Henschel, directeur pays pour le Maghreb, Malte, à la Banque mondiale. Il sera en ligne, il est déjà avec nous en ligne. Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet emblématique amphithéâtre Chérif Idrissi de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohamed V de Rabat, autour d'une thématique qui est très importante à nos yeux pour le développement de notre pays et pour l'équilibre des sociétés d'une façon générale dans le monde. Et je suis particulièrement heureux que nous nous retrouvions autour de principes fondamentaux qui évacuent d'une part le féminisme irréaliste et le paternalisme désuet pour enfin considérer la famille comme étant le noyau de l'équilibre nucléaire de la société. Donc la famille comme lieu d'équilibre, avec la femme bien sûr, jouissant pleinement de ses droits, l'homme et les enfants, et c'est cette structure-là qui permet aux enfants justement de s'épanouir et de grandir dans un milieu sain pour recevoir une éducation essentielle dans la famille et qui va se prolonger dans la société, dans l'école, etc. Autour de cette question de la famille et de la femme, je voudrais faire un premier constat dans la mesure où nous nous retrouvons devant ou dans une institution universitaire. Des statistiques ont montré que la situation, il y a un dysfonctionnement aussi bien à l'université que dans la société, dans la mesure où nous le constatons, les étudiantes sont très nombreuses au niveau de la licence, et non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont brillantes, et elles sont majoritairement majeures dans les études de licence. Et donc, dans le système LMD, licence de master doctorat, et cette excellence et cette prédominance statistique des étudiantes s'amenuise, diminue petit à petit en passant de la licence vers le master, et ça s'aggrave au niveau du doctorat. C'est un phénomène qui dit son nom et qui montre la précarité ou les difficultés du moins que rencontrent les femmes dans l'insertion professionnelle et dans la poursuite de leurs études dans, à l'université. Nous allons travailler pendant 2 heures et je vous propose la méthodologie suivante. Je vous remercie d'abord le public d'être venu, beaucoup d'étudiants, et je vous invite dès maintenant à prendre note pour vous préparer à débattre avec les intervenantes, les intervenants à distance ou en présentiel. Ce n'est pas un colloque, ce n'est pas une conférence classique, c'est une conférence débat. Les intervenants vont intervenir pendant, très brièvement, pendant 5 minutes, mesdames et messieurs, mesdames. 5 minutes, très, très rapidement, très succinctement, pour susciter un débat. Il ne s'agit pas de développer des idées, mais susciter un débat. Et c'est à vous, chères étudiantes, chers étudiants, chers publics, c'est à vous, pendant à peu près 80 minutes, après les interventions, j'aimerais qu'il y ait un débat, un échange entre les jeunes, entre les étudiantes et les étudiants avec... avec les intervenants. C'est ça le sens de cette rencontre. L'agneau d'A'a, l'agneau kuna hunaka mushkil al-loura.
اللغة العربية أو الفرنسية بما أننا نتوفر على الترجمة La traduction simultanée de l'arabe vers le français et du français vers l'arabe. Vous vous sentez à l'aise ? ومن يريد أن يتدخل باللغة العربية فليس هناك أي إشكال ما دامت أننا نتوفر على ترجمة فورية dans la mesure où nous disposons d'une traduction simultanée. Alors un principe que je voudrais quand même, puisqu'il s'agit de la famille, il s'agit de la femme principalement, un principe de la parité, j'aimerais bien qu'il y ait, on va prendre par lot de trois, en présentiel puis à distance, mais dans l'ensemble j'aimerais bien qu'il y ait une certaine parité, un équilibre entre les étudiantes et les étudiants qui vont intervenir et poser des questions. Donc dès maintenant, suivez s'il vous plaît les interventions, prenez note et commencez à préparer d'ores et déjà. Vous pouvez commencer à préparer vos questions et vos interrogations à partir de maintenant afin d'assurer un échange avec les intervenants en présentiel et en ligne. Donc, je vous remercie tous. Nous allons commencer nos travaux. Je vais donner la parole à Madame la ministre, Madame Awatif Hayar, ministre de la Solidarité et de l'Insertion sociale et de la Famille. La parole est à vous, Madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, que paix soit sur l'âme de son prophète. Donc je vais commencer mon allocution. Monsieur Jamaldine Lhani, doyen. Doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales. Je sais qu'il s'agit des sciences humaines et non des sciences sociales. Il s'agit d'une faute de frappe. Merci à l'Université Mohamed V Karaba. Merci à Madame Martine Thérèse, représentante permanente du programme du PNUD au Maroc. Madame Nizha Chakrouni, senior follower policy au centre de New South. Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le Maghreb et Malta, Madame Cheikh Moussa, chargée de recherche, vice-doyenne chargée de recherche et de la coopération au sein de la faculté des lettres, chers collègues, chers universitaires, chers étudiants, chers experts et chers intervenants en présentiel et en ligne, chère audience. En présentiel et en ligne. Je suis très heureuse et très honorée de participer avec vous dans cette édition, 10e édition de ces colloques de débat sur le développement que nous avons choisi pour cette édition. Un thème très, très important, signifiant la famille comme espace d'égalité des genres. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Monsieur le doyen d'avoir hébergé les travaux de cette conférence pour ses efforts qu'il déploie avec les universitaires et les professeurs pour faire de la question de l'égalité des genres une question maîtresse et une question d'intérêt général au sein de l'université. Je remercie votre engagement permanent à l'égard de ces questions. Cette thématique a une charge historique très, très signifiante. Je remercie également les organisateurs et les partenaires. Je remercie le PNUD et la Banque mondiale et le Policy Center for the New South pour leur aimable collaboration. Ainsi, l'ONU Femmes. Je remercie votre initiative pour créer l'ouverture avec notre jeunesse. Donc,
Ceci va en ligne droite avec les directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui considère que la jeunesse, c'est la richesse, c'est la véritable richesse de notre pays, et également l'article 30 de la Constitution marocaine qui incite à l'implication des jeunes dans la vie politique et dans la vie sociale. Je remercie les intervenants qui vont conduire ces débats et ces interventions grâce à leurs compétences, à leur expérience, pour faire de la famille un levier du développement. Donc pourquoi nous avons choisi la thématique famille comme espace d'égalité des genres avec nos partenaires et co-organisateurs? Tout d'abord, vu l'importance des rôles joués par la famille, vu les changements économiques et sociaux et environnementaux dans le cadre du discours royal du 30 juillet 2022, dans lequel il a consacré une importance significative à la promotion de la situation de la femme et de la famille. Ceci traduit également notre souci que la famille est un noyau dans la société, est un levier du développement en général. Donc la famille doit être supportée, soutenue pour devenir un incubateur de principes et de responsabilités et de principes d'égalité entre les genres, un levier pour encourager la créativité chez nos jeunes à partir de leur jeune âge. Il est primordial pour nous de nous investir dans la société, dans la famille, pour aller en ligne droite avec la place accordée par la Constitution à la famille. Donc l'État est responsable pour consacrer la légalité, l'égalité des genres, assurer la protection sociale à tous les enfants de manière égale, nonobstant leur situation familiale. Donc vu les changements démographiques, nous avons remarqué que nous avons des familles noyaux, nous avons des familles, des enfants en situation difficile, nous avons des personnes précaires. Et dans la plupart des cas, c'est la femme qui s'occupe de ces cas-là. Et donc, ces changements-là, vu les contraintes qu'elle impose, ceci nous invite à nous investir dans la famille afin d'accompagner la famille pour faire d'elle un incubateur institutionnel pour consacrer les principes sociétals et les principes du respect, de la citoyenneté à un vecteur de développement. Donc l'importance de la famille. Nous avons remarqué que le nouveau programme de développement a consacré les orientations royales pour assurer un futur et une intégration pour tous et consacrer le lien social. Donc la famille est un vecteur pour le capital humain et consacrer la cohabitation sociale et familiale. C'est une institution responsable de la formation et de l'éducation, et ainsi elle est chargée de répondre aux besoins de ses membres, assurer la sécurité et la sûreté sociale et économique. Donc la famille a joué un rôle signifiant pendant la période de la pandémie pour la protection des enfants, pour la protection des personnes âgées et des personnes en situation difficile. Nous avons besoin de transformations majeures pour renforcer l'égalité entre les genres et consacrer les principes qui ont été adoptés par le Maroc. Ceci se traduit par les indicateurs de la violence, les indicateurs de la participation des femmes dans les secteurs économiques. Donc, quels sont les programmes, les ateliers ou les politiques publiques pour consacrer cette vocation de la famille à être un moteur du développement?
Donc nous avons plusieurs ateliers, grands chantiers sur lesquels travaillent le gouvernement et l'État. Donc un programme afin de consacrer la couverture sanitaire, assurer le soutien direct aux familles précaires. En 2023, nous prévoyons des soutiens qui seront versés aux familles. Donc ici, nous parlons du chantier de la protection sociale qui a été instauré par l'État. Donc le soutien direct des familles qui sera consacré à 7 millions d'enfants en âge scolaire. Donc nous avons aussi essayé également de revoir les acquis au niveau de notre programme. Nous avons exécuté un certain nombre de programmes économiques comme le programme de Forsa et Temkin en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, surtout pour appuyer les porteuses de projets qui sont en situation précaire et en situation difficile pour accompagner l'activité de la femme marocaine, justement. Donc ici, c'est un objectif de la politique publique adoptée par le gouvernement. Donc toutes ces initiatives renforcent la protection de la famille au niveau social, au niveau économique, et renforcent également l'approche gouvernementale afin d'aller en ligne droite avec le nouveau programme de développement qui a été instauré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc, dans ce cadre, le ministère de l'Insertion sociale, de la Solidarité et de la Famille travaille sur deux axes dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Donc, tout d'abord, elle consacre les droits des individus comme le programme ou le plan national, le plan gouvernemental de l'égalité. Nous adoptons également des politiques publiques intégrées comme la politique publique de la protection de l'enfance. Nous avons également j'ai fait allusion au programme du renforcement de l'enfance et des enfants en situation difficile et des enfants en situation précaire. D'autre part, nous avons instauré une politique familiale qui est axée vers les familles pour encourager l'égalité et mettre en œuvre des programmes comme le programme du soutien direct des veuves, ainsi pour inclure toutes les ménages, c'est-à-dire toutes les familles ont besoin, les familles en situation difficile ou qui sont dirigées par une femme. Donc, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, nous concentrons sur les professions de la. Nous avons parlé du programme gouvernemental. Nous avons besoin de développer un système gouvernemental assurant la protection sanitaire. Donc le ministère essaye d'encadrer le travail des professionnels qui travaillent dans le cadre médical et dans le cadre social. Donc nous avons préparé un décret ou un projet de loi et des lois organiques. Donc nous parlons ici de l'accréditation du travail social. Donc nous avons concentrés sur des programmes visant les personnes en situation difficile, visant les enfants et visant les
les personnes à mobilité réduite. Donc ceci va contribuer à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et permettre aux femmes de mieux être capables de travailler et de travailler au sein de leur demeure. Donc nous avons travaillé sur un programme qui sera lancé très prochainement avec la déclaration de Marrakech et le ministère de l'Enseignement et de la Rénovation sur la formation de 10 000 assistantes sociales. Et ici, j'invite le doyen et notre cher doyen et les collègues, ainsi les universitaires. J'ai insisté sur le point que l'Université Mohamed V doit être un partenaire principal sur ce projet. Donc, nous serons en collaboration avec l'INAS et toutes les universités. Donc, chaque année, nous allons former 10 professionnels chargés du travail social. Nous allons aussi créer un nouveau concept, un guichet unique en partenariat avec les associations et les sociétés afin de permettre à la famille de mieux tirer profit de ce projet. Donc nous parlons ici de la médiation, de l'accompagnement, de guides. J'ai déjà... Je suis dans un temple des savoirs qui encadre et qui forme des professionnels dans le domaine psychologique et sociologique. Vous savez que les premières années de l'enfant déterminent les méthodes ou l'éducation sociale qui va guider sa vie tout entière. Donc cette formation sociale est très très importante. Donc cette politique vise également à renforcer le rôle de la famille dans toutes les politiques publiques. Donc nous avons également le concept de la famille accueillante pour les enfants abandonnés, si j'ose dire, les enfants qui n'ont plus de famille. Les enfants qui sont accueillis dans les centres de formation, il est de préférence que ces enfants soient accueillis au sein de familles accueillantes. Donc ces familles accueillantes qui accueillent également les personnes âgées ou les personnes en situation difficile ou précaire ou en mobilité réduite. Donc je parle ici de la famille solidaire. Donc le ministère et le gouvernement travaillent dans le cadre de ce programme afin de consacrer les dispositions de la Constitution marocaine qui a imposé la protection de l'enfance et de la famille, ce qui a été rappelé par Sa Majesté le Roi lors de son discours du 30 juillet 2022. Et donc, ceci est un appel pour revoir les textes qui réduisent la participation de la femme dans les différentes sphères de la vie sociale et de la vie politique. Donc, je suis très ouverte à entendre vos questions, vos concepts, et vos propositions que vous proposez à l'acteur principal afin de consacrer l'égalité des genres et consacrer le rôle de la famille comme levier sous la guidance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Merci Madame la Ministre pour ce programme global et je veux mentionné comme Madame la Ministre a présenté des formations et que
la faculté des lettres dans un autre monde. Je crois que le vice-président se rappelle, on avait un programme de M. Haruchi, on a demandé un programme de travail social. L'assistance sociale, Mme Moussa se rappelle, ADM, on est prêt pour accompagner toutes les formations pour le bénéfice de la société. Ça, le rôle de la faculté n'a pas d'autre rôle. Martine Terrer, en ligne, vous êtes là, vous? Vous êtes en ligne avec nous? Représentante résidente adjointe du programme des Nations Unies pour le développement au Maroc. Vous avez la parole, madame. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 10e édition de Parlons Développement. L'égalité de genre qui sera au cœur du débat d'aujourd'hui est une priorité pour le PNUD et je suis ravie d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots à ce propos. L'inégalité des chances entre les femmes et les hommes a un coût économique colossal. Ainsi, selon une étude de 2021 réalisée par ONU Femmes au Maroc, une réduction complète de l'écart d'emploi entre les femmes et les hommes, en éliminant les barrières à l'activité des femmes, y compris celles liées à l'éducation, induirait une hausse du produit intérieur brut par habitant de 39,5%. La progression du PIB par habitant serait de 22,8% en procédant uniquement à l'élimination des barrières à l'activité des femmes sans prendre en compte celles empêchant un accès équitable des jeunes filles et des femmes à l'éducation. En effet, l'égalité des genres et l'inclusion des femmes génèrent de nombreux bienfaits et s'avèrent une solution de développement efficace pour accélérer l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable. C'est pourquoi le PNUD s'est doté au niveau mondial d'une nouvelle stratégie genre 2023-2027 qui vise à accélérer les progrès au cours des 4 prochaines années en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes. Cette stratégie met l'accent sur la nécessité de mettre en place une nouvelle génération de politiques qui réduisent les normes négatives liées au genre, sur la prévention de la violence basée sur le genre, sur la participation des femmes à la vie publique et politique et sur les investissements publics et privés nécessaires en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette stratégie définit également comment le PNUD peut continuer à faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes au sein même de notre organisation, car nous voulons montrer l'exemple. Au Maroc, nous avons plusieurs projets en cours qui accordent une grande place aux questions de genre. Je citerai notamment l'amélioration de la participation des femmes aux activités commerciales dans le secteur de l'huile d'argane, financée par la coopération suédoise. Ce projet pilote soutient les coopératives dirigées par des femmes dans le sud du Maroc, dans la production et l'exportation d'huile d'argane et de ses produits dérivés sur les marchés régionaux et internationaux. Je citerai aussi le projet Art Urbain, mis en œuvre en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et financé par la Norvège. Ce projet prévoit la réalisation de 4 murales araba d'ici à la fin de l'année, dont l'objectif est de rendre hommage à la femme marocaine et de promouvoir l'égalité des genres auprès des jeunes, dans le cadre de l'éducation à la tolérance, au civisme et à la citoyenneté. Dans le cadre du prochain programme de coopération Maroc-PNUD qui couvrira la période 2023 à 2027, nous nous sommes engagés à renforcer encore nos appuis aux questions de genre, en plaçant l'égalité femmes-hommes comme domaine d'intervention transversale et en consacrant au moins 15% de notre budget à des interventions directes en faveur de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes. En ligne avec le nouveau modèle de développement du Maroc, le PNUD continuera de soutenir le gouvernement pour élargir la participation des femmes dans les sphères économiques,
politique et sociale, afin que l'ensemble de la société marocaine puisse en tirer tous les bénéfices. Je voudrais pour terminer remercier Madame la Ministre et le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Mohamed V, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont rendu cet événement possible. Merci de votre attention. Je vous souhaite de fructueux débats. Je vous remercie pour cette belle intervention. Si je dois retenir quelque chose, je retiendrai l'inégalité a un coût. Donc l'inégalité, ce n'est pas un luxe. Enfin, la recherche de l'égalité, ce n'est pas un luxe. C'est une obligation. Si nous voulons développer notre pays, si nous voulons être un pays développé, nous devons passer par la case égalité des chances, égalité entre les hommes et les femmes, égalité de genre. Merci infiniment. La parole maintenant est à Madame la ministre. Nzaha Chkrouni, j'espère que vous vous rappelez qu'elle a été ministre des jeunes. Dites-moi oui. Oui. C'est pour cela que je leur dis dites oui pour leur forcer la main. Merci beaucoup. S'il vous plaît, à Madame la ministre, monsieur le doyen, chers partenaires, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. J'avoue que je suis là et je ressens une émotion et à la fois un privilège d'être avec vous au sein de cette université, avec beaucoup de souvenirs pour moi dans mon passé, mais ce passé pour lequel je continue de ressentir une grande fierté, celle d'appartenir à la grande famille des enseignants. Donc, chers partenaires, chères étudiantes et étudiants, je vous remercie au nom du président du Policy Center for the New South, M. Karim Al-Ainaoui, d'être parmi nous et d'être présent aujourd'hui. Je remercie aussi chaleureusement le ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l'Égalité et de la Famille, bien entendu à sa tête, Madame la Ministre, ainsi que la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Mohamed V, M. le Doyen, ainsi que tous nos partenaires du projet Parlons Développement. Donc, nos partenaires qui sont le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, ainsi que la Banque mondiale. Donc, je les remercie tous pour leurs efforts dévoués. Au Policy Center for the New South, les thématiques à caractère social qui s'inscrivent dans notre programme de recherche. Alors, le programme, nous en avons 7, mais je cite celui-là particulièrement. Le Maroc, l'état social et territorial. Donc ces thématiques font partie de nos priorités en matière de recherche et de production de savoir. En effet, ce programme de recherche a donné lieu à plusieurs publications dans notre ouvrage collectif sur le leadership féminin et dans lequel la question du genre et de la famille revêt une grande importance. Dans la même lignée, il nous a semblé pertinent de participer à nourrir le débat public, en l'occurrence notre contribution à l'initiative Parlons Développement, portée par le PCNS et le Policy Center, le PNUD et la Banque mondiale. L'ampleur de la crise sanitaire a suscité partout de nombreuses et profondes inquiétudes, amplifiant les voix qui s'élevaient déjà avant la pandémie pour alerter sur les inégalités et les modes de développement non durable qui compromettaient leurs chances et leurs perspectives. Dans ces incertitudes et dans la crise actuelle, une nouvelle opportunité de réflexion collective autour des grands enjeux du développement durable s'impose. Réussir à concilier le progrès social et économique avec la sauvegarde de l'équilibre naturel de la planète est en effet plus urgent que jamais. Dès lors, afin de contribuer à la réflexion nationale, le PNUD, la Banque mondiale et le Policy Center for the New South, avec le ministère, proposent une série de dialogues réunissant acteurs et experts nationaux et internationaux pour débattre des enjeux du développement durable dans ses aspects sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que des opportunités que présente le programme des ODD, les Objectifs du Développement Durable 2030, en tant que feuille de route
pour que tous sortent de la crise renforcés et plus résilients. Comme vous le savez, nos dialogues sont ouverts au grand public et ont pour objectif principal d'encourager la discussion et de favoriser les échanges de bonnes pratiques et surtout les recommandations émanant de notre jeunesse que vous représentez ici, notamment vous les étudiantes et les étudiants au sein des universités marocaines. En ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, elle porte sur deux notions indissociables, la famille et l'égalité des genres. Dans cette optique, il est à relever que depuis l'indépendance, un chemin remarquable a été parcouru. Mais en ce qui concerne la question de la femme au Maroc, en effet, les réformes ont touché aux politiques, au social, mais aussi aux socio-économiques, à ne citer que cela, l'adoption du Code de la famille en 2004, qui a cristallisé une avancée majeure en ce qui concerne les droits des femmes, a vu la succession de bon nombre de réformes, la reconnaissance du droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants en 2007, l'introduction des mécanismes de discrimination positive, notamment dans les mandats électifs nationaux en 2002 et locaux en 2007, la réforme de la Constitution de 2011 qui a consolidé les clauses d'égalité et de parité entre les genres, ainsi que l'adoption de la loi contre la violence faite aux femmes en 2018 et d'autres réformes que je n'ai pas le temps de citer ici. Si, au niveau des pays de la région, le Maroc est l'un des plus avancés en ce qui concerne la parité et l'émancipation des femmes, de grandes inégalités persistent dans de nombreux domaines. Le système patriarcal de la Qiwama transperce tous les dispositifs politiques et juridiques, imprègne les processus de socialisation et reste profondément ancré sur le plan culturel. Néanmoins, il est pertinent de relever que l'ordre familial patriarcal, comme l'a cité M. le Doyen, cet ordre patriarcal d'antan s'estompe de plus en plus compte tenu de plusieurs avancées, notamment la progression de la citadinité, le recul de l'âge moyen du premier mariage, la baisse croissante de la fécondité et la progression du taux d'éducation des jeunes filles. Ces changements structurels ont réussi à ébranler le socle anthropologique sur lequel reposaient fermement certaines valeurs désuètes et le fonctionnement de l'ordre familial. Ils ont bouleversé la conception du mariage, de la famille et du couple. Ces évolutions remarquables permettent aussi d'entrevoir des réalités divergentes, des politiques publiques parfois ambiguës, notamment en fonction des variables du milieu social et géographique. Cette problématique est au cœur de notre débat aujourd'hui. L'université est un véritable vivier de talents, d'innovation, d'intelligence que vous représentez, vous, nos jeunes étudiantes et étudiants. L'université vous offre cet espace de dialogue qui est imprégné, c'est un privilège pour vous de l'avoir, de pouvoir débattre librement. Je souligne le mot liberté, mais comme vous le savez, la liberté, son corollaire, c'est la responsabilité. Donc je vous salue. Nous attendons l'aboutissement de ce fructueux débat. Nous attendons surtout, nous aspirons à des propositions constructives dans cette enceinte. Je vous remercie. Merci. Madame Chourouni, la parole maintenant, à distance, en vidéo, à Monsieur Jesco Henchel, directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale. Bonjour, Jesco Henchel, directeur du département Maghreb de la Banque mondiale. Ravi d'être avec vous ce matin à l'occasion de cet événement tellement important. Et désolé que je ne peux pas être avec vous physiquement. Donc, chère Madame la Ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, cher Monsieur le Secrétaire Général, cher Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, et chères Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la fête du tronc,
en juillet, Sa Majesté le Roi a prononcé un discours d'une portée vraiment historique. Et son discours a particulièrement mis l'accent sur les inégalités de genre qui affectent aujourd'hui la femme marocaine, ces inégalités qui ne favorisent pas toujours l'épanouissement personnel en tant qu'individu, en tant qu'épouse et en tant que mère, d'un côté, et sa contribution au développement du pays. Ce discours est un véritable appel à l'action pour améliorer la situation de la femme marocaine. Et nous sommes ravis de partager la scène aujourd'hui avec nous, vous, chère Madame la Ministre, pour réfléchir ensemble au rôle de la famille dans la promotion et le respect des égalités de genre. Les études, les analyses empiriques dans toutes les différentes régions et aussi dans la région MENA, ils sont clairs qu'il y a des retombées très positives de cette inclusion socio-économique des femmes dans les pays. Ça, c'est une retombée économique, la croissance économique, la baisse de la taux de pauvreté. Le investissement dans les capitales humains de la prochaine génération et aussi la manière comment les institutions dans les sociétés interactent et fonctionnent. Pourtant, et en dépit des avances importantes en termes d'éducation des filles et de la santé maternelle, et de l'amélioration aussi du cadre légal, les femmes au Maroc et aussi au Maroc se retrouvent encore dans une disadvantage. Ils sont encore pénalisés si on voit les différents indicateurs. Pour exemple, le taux d'alphabétisation des adultes. Pour exemple, la représentation des femmes au Parlement. Ou et spécialement la participation des femmes au marché du travail, qui est maintenant au Maroc, c'est à 21 ou 22%. Et le Royaume a fixé les objectifs très ambitieux dans les prochaines années, dans le plan de gouvernement, et à plus long terme dans le nouveau modèle de gouvernement. Cette faible participation des femmes au marché du travail cache d'autres défis limitant l'accès aux opportunités. Pour exemple, le manque des services de la petite enfance pour une grande partie des ménages, en même temps que le Royaume est en train d'amener une stratégie très ambitieuse pour l'expansion des services et aussi l'éducation d'après préscolaire pour les différentes familles. Mais il y a aussi d'autres défis dans le transport public, donc le cadre juridique, et aussi dans le cadre des violences contre les femmes. Et je pense que ces défis qui limitent cette participation pleine des femmes dans le développement socio-économique, ils sont aujourd'hui même plus important après cette période de Covid-19 et aussi avec les différentes crises du côté géopolitique qui ont un impact sur les femmes. Si on voit les augmentations des prix, la crise climatique, la pérennité du lot. Du côté de la Banque mondiale, nous, on a une stratégie globale qui date de l'année 2016 et on est en train de mettre en œuvre une mise à jour de cette stratégie qui va porter sur différentes
piliers, donc sur les capitaux humains, l'emploi, la propriété et le contrôle des atouts productifs, qui est très très important, la représentation politique et aussi la capacitation à décider pour soi. Une focus prononcée sera fait sur cet cadre légal. Et ça, c'est aussi un de nos travaux ici au Maroc et aussi dans la région MENA. On utilise une étude de la Banque mondiale, Women, Business and the Law, qui compare tous les cadres légaux dans tous les différents pays. Et cet travail nous donne l'opportunité d'identifier des obstacles légaux les plus importants. On a un service de conseil là-dessus, mais aussi dans quelques pays, on utilise des supports budgétaires, donc un financement pour financer des réformes. Aussi, ici en Maroc et dans la région, on travaille comme avec les partenaires, aussi avec les autres institutions des Nations Unies et des autres partenaires internationaux sur tout ce qui est normes sociales. Il y a un grand travail sur les normes sociales, aussi du côté des universités, des sociologues au Maroc. Et nous, on voudrait bien contribuer avec une étude quantitative et qualitative là-dessus. On travaille sur tout ce qui est le plan d'action limiter ou de confronter la violence basée sur le genre dans la région et aussi en Maroc. Et encore une fois, on travaille avec nos partenaires dans le gouvernement et les autres stakeholders là-dessus. Et dernièrement, on a travaillé beaucoup des analyses quantitatives et aussi qualitatives des défis pour augmenter la participation des femmes dans le marché du travail. Donc, laissez-moi arrêter ici. Il y a ma collègue Federica, qui est économiste principale au bureau de la Banque mondiale au Rabat, qui va partager avec vous un peu plus de détails sur ce travail et aussi notre vision là-dessus. Et on est encore très très ravis de travailler avec le groupe thématique de genre, des partenaires, et spécialement avec vous, Madame la Ministre, et votre ministère, sur des thèmes tellement importants pour augmenter, renforcer la égalité de genre. Donc, j'espère que vous avez une très très bonne séminaire et des très très bonnes discussions aujourd'hui. Et j'espère que je peux être avec vous très prochainement. Un bon déroulement du séminaire. Merci. Merci, Monsieur Henchel, d'avoir rappelé le discours de Sa Majesté le Roi, qui a mis le doigt justement sur l'une des problématiques fondamentales du développement de notre pays. Et je crois que nous sommes tous d'accord maintenant que la question de la femme, de la famille, du genre, de l'égalité est une question fondamentale pour le développement de notre pays. Je crois que le décor est planté. Je profite de l'occasion juste pour vous montrer. Mais depuis plusieurs décennies, elle a abordé la question de la famille et de la femme. La dernière production, je n'ai pas fait de classement, hein, c'est monté comme ça, c'est l'ouvrage collectif dirigé par l'Oustada Boutina Al-Ghalbzouri, qui est avec nous, et nous allons nous entendre dans un peu de temps. Et c'est un livre... Ça, c'est un ouvrage... Le code de la famille, c'est un ouvrage qui a été écrit par M. Agoumi, Structure sociale et femmes rurales au Maroc. On va vous les donner à la fin du séminaire. Ça, c'est un ouvrage de Rahma Bourkia, Études féminines, notes méthodologiques, un autre ouvrage de Madame Malika Al-Assimi. Oui.
l'encyclopédie de la mythologie marocaine et des histoires des femmes Marakchi dans deux volumes, un autre ouvrage de M. Chafri, un ouvrage qui a été écrit par Mme Fouziel Rissassi et Nafisa El-Hamid, des espaces féminines. Un autre ouvrage par Mme Fouziel Rissassi. Fouziel Rissassi avait une chaire UNESCO sur les études féminines. Alors maintenant, on passe directement à la deuxième phase de notre programme où il y aura des intervenants. Je dois vous dire que vous devez vous préparer, pour les étudiants, de préparer vos questions afin qu'il y aura un débat entre vous et les responsables et tous les intervenants. Monsieur Gilles Séfarin, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre, Paris-Lumière, directeur du Centre de recherche, éducation et formation. Vous parlez à sa place. Je me trompe? Bon. Ah, non, voilà. C'est bien. Ah, oui, je me suis dit, Gilles, hein? Je suis bien là. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Un très grand merci. Vraiment, un très grand merci à vous, Madame la Ministre, de me convier à cet échange. C'est vraiment un grand honneur de participer à cet échange. Et merci à vous toutes et tous dans la salle, les participants, les organisateurs. Donc, la question est, je crois, est très simple à poser. Est-ce que la famille peut être un espace de promotion de l'égalité des genres? Je réponds oui. Mais c'est aussi un espace qui peut, être un espace qui nie cette égalité des genres. Donc, en fait, il faut faire de telle sorte que cette famille puisse promouvoir l'égalité des genres. Je crois qu'en matière de politique publique, il y a deux types de politiques publiques. Il y a des politiques publiques qui reposent sur des normes, et donc on imposerait aux familles des normes pour qu'il y ait une meilleure égalité des genres. Elle a quand même des problèmes, cette politique publique. C'est que souvent, lorsqu'on impose des normes, on crée, voire on cristallise des oppositions c'est contre-productif. C'est à utiliser quand même, avec parcimonie, surtout sur des questions de protection. Je pense à la protection des enfants, à la protection des plus vulnérables, au sein de la famille, donc aussi des femmes, des enfants, par exemple, ou des personnes âgées. En fait, il y a un autre type de politique publique qui est beaucoup plus intéressant. Les politiques qui reposent sur un soutien. Il faut soutenir les familles pour qu'elles puissent promouvoir, pour que ça puisse être le creuset de l'égalité de genre. Parce que le soutien, ça oriente aussi, ça donne des nouveaux repères pour ces familles et surtout, ça crée des dynamiques. Donc, je voulais juste te donner, en quelques minutes, je crois, trois types de soutien pour ces familles et trois grands types de politiques publiques, finalement. Un soutien, déjà, qui est très ancien et on n'en parle pas trop, mais je crois que c'est toujours très, très intéressant, c'est de permettre aux familles et aux couples, et je parle bien des couples, de maîtriser la fécondité. Il faut que la fécondité puisse être choisie, c'est-à-dire que l'on ait les enfants que l'on veut, le nombre d'enfants que l'on veut, surtout au moment où on veut avoir ces enfants et qu'on puisse les élever dans des conditions de vie décentes. Un deuxième type de politique publique aussi, un deuxième levier, c'est l'articulation entre la vie personnelle, la vie familiale et la vie professionnelle. Souvent, on parle de l'articulation vie familiale, vie professionnelle, mais je crois qu'il y a les trois dimensions pour justement permettre à chaque membre de la famille d'avoir un épanouissement. Et cette articulation,
est permise grâce à des forts investissements dans la petite enfance, l'accueil de la petite enfance, dans l'école, notamment l'école primaire, mais aussi le périscolaire ou l'extrascolaire. Ça permet vraiment à chaque membre de la famille qui le souhaite d'avoir une vie professionnelle, et nous en avons déjà parlé, et aussi par cette vie professionnelle, par différents espaces de vie, ça permet l'épanouissement de chaque membre de la famille. Le troisième point, la troisième idée pour les politiques publiques, c'est de venir d'offrir des systèmes, des interventions socio-éducatives qui viennent en appui à l'éducation qui est donnée au sein de la famille. Les parents ont besoin de soutien aussi dans l'éducation donnée aux enfants. Ce sont l'ensemble des soutiens à la parentalité, mais aussi des interventions socio-éducatives. Ça se fait par l'école, par le périscolaire, l'extrascolaire, on en a déjà parlé, mais aussi ça se fait par une politique de soutien, notamment, il y a un thème qui est de plus en plus présent, notamment par la maîtrise des écrans. Sur les écrans, il y a vraiment une négation aussi de l'égalité des genres. Il y a des violences envers les personnes, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Et il y a des images de la société, parfois, qui ne sont pas très reluisantes. Donc, les familles ont besoin de soutien pour mieux maîtriser tout cet apport de nouvelles techniques, notamment en lien avec les écrans, le téléphone, les ordinateurs, etc. Et dans cette politique, on peut aussi mettre la priorité sur les jeunes, sur la culture des jeunes. Promouvoir une culture des jeunes respectueuse de l'égalité des genres, c'est un très fort soutien aux familles. Donc voilà, je donne quelques idées comme cela. Vraiment, l'idée principale, c'est qu'une politique publique partagée ne peut se bâtir sur des oppositions, sur des cristallisations entre les générations, entre les compositions de la famille, les personnes qui composent la famille, le genre, etc. Mais ça repose surtout sur la conviction dans un projet de société commun et partagé. Voilà, donc on m'a dit qu'il fallait tenir quelques minutes pour lancer des idées. Alors, je suis très sincèrement désolé, là j'ai prévenu les organisateurs. Malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous jusqu'au bout des échanges. J'en suis très, très fortement désolé. J'espère qu'il y aura une possibilité de les suivre par la suite. Et je vous remercie à nouveau. Merci pour cette intervention très, très succincte qui met l'accent justement sur l'école et sur les médias qui ont une place importante dans la diffusion de l'égalité et du partage. La parole maintenant en ligne, cette fois-ci c'est pas Gilles, mais Zineb Chbihi, experte ONU Femmes Maroc. Lala Zineb, marhaba bik. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous vous entendons. Parfait, j'en étais pas sûre. Donc, merci aux organisateurs d'avoir donné l'occasion aux ONU Femmes d'intervenir dans cet événement que nous considérons très important, vu notre mandat sur la promotion de l'égalité des genres au Maroc. Moi, je voudrais commencer mon propos en clarifiant la vision de l'ONU Femmes par rapport à la famille. Qui est celle d'un foyer pour l'égalité et la justice, un lieu où les femmes peuvent exercer leurs droits, mais aussi leurs choix. Pour une femme, la famille, c'est également un espace dans lequel les femmes doivent se sentir en confiance, où elles peuvent s'exprimer et jouir d'une sécurité physique, psychologique et aussi économique. Lorsque nous pensons aussi à l'engagement mondial pour la réalisation des 17 ODD à l'horizon 2030, nous constatons que plusieurs de ces cibles, notamment par exemple ceux sur le mariage des mineurs, la santé reproductive, la lutte contre la pauvreté, la redistribution du travail non rémunéré, dépendent beaucoup de ce qui se passe dans les familles. Donc, veiller à ce que les familles soient des lieux d'égalité et de promotion des droits humains est vraiment crucial et essentiel pour la réalisation des ODD.
Malheureusement, ce que l'on observe au Maroc, mais aussi à travers le monde, c'est que le contexte familial est un espace dans lequel les droits des femmes ne sont pas toujours garantis et protégés, et où des inégalités de genre et de discrimination dues essentiellement à la hiérarchisation des rôles entre les hommes et les femmes par la société peuvent être constatées. Je vais citer quelques exemples que vous connaissez peut-être. Les femmes, comme vous le savez, au Maroc, consacrent 7 fois plus de temps que les hommes aux activités domestiques, donc en moyenne 5 heures contre 42 minutes pour les hommes. Ce sont les chiffres de l'enquête du HCP sur l'emploi du temps des hommes et des femmes de 2012. Le contexte domestique, donc, qui englobe aussi bien le contexte conjugal et familial, est celui qui enregistre le taux de prévalence le plus élevé, avec 52%, donc près de 6 millions de femmes qui ont été victimes de violences, toutes formes confondues dans cet espace. Et il est important de noter aussi que ce taux, il a augmenté depuis la dernière enquête de 2009, augmenté d'un point par rapport à 2009. Un autre point que je souhaiterais souligner et aborder, c'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle de la violence, et ce qui a été souligné dans plusieurs recherches et études. Donc, les femmes qui ont été témoins de scènes de violence conjugale durant leur enfance sont plus susceptibles d'être victimes de violences conjugales. Et ceci a été confirmé justement par l'enquête du HCP de 2019, qui a constaté que la prévalence de la violence conjugale parmi les femmes qui ont été témoins de scènes de violence conjugale entre leurs parents était de 61,8%. Donc, ce taux était nettement supérieur à la prévalence moyenne de ce contexte, donc de plus de 16 points. Donc, il est de 46% parmi les femmes qui n'ont pas justement été, qui n'ont pas évolué dans des contextes où il y avait de la violence conjugale ou la violence entre leurs parents. Également, on parle de transmission intergénérationnelle de la prestation de soins. On a plusieurs données d'études qui ont démontré que les hommes à qui l'on a appris à assumer des tâches de soins non rémunérées lorsqu'ils étaient enfants et qui ont vu justement leur père participer aux tâches ménagères traditionnellement féminines étaient plus susceptibles de le faire en tant que père dans leur propre famille. Donc bien sûr, l'engagement des hommes en tant que père influence également de manière positive la vie des hommes eux-mêmes, qui bénéficieraient, selon certaines études, d'une meilleure santé physique, mentale, sexuelle et une prise de risque qui est moins réduite. Bien évidemment aussi, l'implication des hommes en tant que père est également cruciale pour l'autonomisation des femmes, car comme l'ont souligné les intervenants avant moi, elle permet, quand le fardeau des soins non rémunérés est partagé et qu'il y a plus de paix et de sérénité dans un foyer, les femmes sont davantage en mesure de travailler pour gagner un revenu, étudier et participer à la vie civique et sociale. Donc, partant sur ces constats, nous, à ONU Femmes, on a expérimenté au Maroc, mais bien sûr, mais aussi dans d'autres régions, d'autres pays de la région MENA, un programme sur la parentalité positive qui s'appelle Programme P, dans le cadre duquel nous avons accompagné des couples, des parents notamment, à travers une quinzaine de sessions éducatives qui se sont étalées sur plus de 3 mois, et où il a été question de promouvoir la participation des pères et des mères au développement de la petite enfance, donc du nouveau-né jusqu'à l'âge de 8 ans. En fait, l'objectif global de ce programme était que les parents apprennent et développent de nouvelles compétences et attitudes par le biais d'un questionnement basé sur des activités ludiques et d'une réflexion critique sur les normes de genre et sur les croyances qu'ils ont, des croyances de longue date qu'ils ont sur la parentalité, sur la paternité, sur le genre, sur la masculinité. Donc nous avons abordé plusieurs thématiques comme les normes de genre, la prestation de soins non rémunérés, les rapports de pouvoir dans les relations familiales et conjugales, la communication dans le couple. Deuxièmement, notre objectif était aussi qu'ils répètent et qu'ils s'exercent sur ces attitudes et ces comportements égalitaires et non violents dans un environnement sûr qui était justement fourni à travers ces séances d'éducation. Et troisièmement, qu'ils intériorisent ces nouvelles attitudes et ces concepts de normes de genre et qu'ils les appliquent dans leurs propres relations et vie familiale. Et donc, ce qui est ressorti brièvement de l'évaluation de ces interventions, c'est que
qu'il y avait une implication plus importante des pères dans les soins des enfants et dans le partage des responsabilités des routines quotidiennes des enfants. Donc, il y a eu une augmentation de 16 à 43%. On a constaté que les hommes s'impliquaient plus dans l'alimentation, le changement des couches, le ménage, justement aussi, voilà, une augmentation de 7 à 22% de leur participation aux tâches ménagères. Ça, c'était reporté par les hommes, mais ça a été aussi, on a vérifié auprès des femmes qui ont validé ces changements positifs. Et il est aussi ressorti de ces interventions que le fait de mettre davantage l'accent sur le rôle des hommes dans la prise en charge des enfants a eu un impact positif sur la réduction de la violence à l'encontre des enfants, mais aussi sur la réduction verbale entre les hommes et les femmes. Malheureusement, on n'a pas constaté une très grande différence sur la violence en tant que telle dans le couple. Il y a eu une assez légère réduction, notamment au Maroc et en Palestine, mais peut-être que c'était dû aussi au fait que le programme n'était pas assez long pour pouvoir vraiment induire un changement de comportement plus stratégique. Donc voilà, je suis heureuse et ravie d'échanger avec vous davantage sur ce que fait ONU Femmes à travers cette initiative et tout ce qu'on fait en matière de promotion de normes sociales en faveur de l'égalité des sexes. Et merci encore une fois. Merci Madame Zineb Chibé. Je vous invite à continuer à prendre des notes pour le débat, pour alimenter le débat, et juste quelques idées qui pourraient vous inciter à poser des questions pour débattre. Madame Zineb Chibé a parlé de l'espace, et c'est une véritable problématique, cette dichotomie entre l'espace public et l'espace privé, les tâches ménagères qui sont encore et souvent accolées à la gente féminine. La question de la violence dans le couple, c'est une question qui est extrêmement importante. Je profite de la présence de mon ami et collègue, c'est Ahmed Boukili, et de ma collègue, Lalla Boutina Al-Ghamzouri, parce que pendant la pandémie, avec l'UNFM, l'Union nationale des femmes du Maroc, on avait fait un travail colossal de travail en ligne à l'échelle nationale d'écoute des femmes qui étaient en détresse et qui subissaient en raison de la claustration, de cloisonnement, de l'enfermement à cause de la pandémie. Il y avait une cellule d'écoute qui a fait un travail extraordinaire. Merci, merci à tous. La parole maintenant est à Federica Marzo, économiste à la Banque mondiale. Vous avez la parole. Merci. Je peux aller... Non, je... Voilà, merci. Bonjour à tous. Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, monsieur le doyen, chers collègues panélistes, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour nous avoir donné, nous à la Banque mondiale, l'opportunité de participer à ce débat. Donc je vais bâtir un petit peu sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Donc je vais partir également du rôle de la femme et de la famille quant aux inégalités de genre. Et je vais en fait ensuite élargir un peu. Pourquoi ? Pour revenir après au même point, bien évidemment. Mais pourquoi élargir ? Parce que la façon dont laquelle, en fait, à la Banque mondiale, on conceptualise les inégalités de genre, c'est bien évidemment, place bien évidemment la famille au centre du schéma, puisque c'est bien à l'intérieur de la famille que les décisions sont prises sur la base des préférences des uns et des autres, et des époux en particulier. Mais ces décisions sont souvent le résultat d'interactions avec le monde extérieur. Et ce monde se compose des dynamiques de marché d'un côté et des institutions de l'autre. Et par institutions, bien évidemment, on parle des lois et des régulations,
mais aussi des normes sociales. Ça, c'est des termes qui sont revenus plusieurs fois par les différentes interventions et que nous, on met ensemble, en fait, avec ce cadre conceptuel qui veut que ces interactions donc, entre le marché, les institutions et la famille soient à l'origine, parfois, des inégalités de genre et leur pérennisation. Ces inégalités ensuite se traduisent en trois dimensions qu'on connaît tous très bien, un équipement en capital humain, c'est-à-dire en santé et éducation, dans la capacitation des femmes de prendre des décisions pour soi, c'est une mauvaise traduction du terme « agency » en anglais, qui s'externalise par exemple à travers la violence sur les femmes, à travers la représentation limitée des femmes sur la scène publique ou dans les ou privée et dans les mariages précoces. Ça, c'est trois externalisations typiques de la faible capacitation des femmes à décider. Et puis dernièrement, l'accès aux opportunités économiques. Donc c'est en bâtissant sur ce cadre conceptuel que nous, très récemment, on s'est penché sur la question justement de l'accès des femmes aux opportunités économiques. Et je n'ai pas besoin de trop parler là-dessus. Je pense que, encore une fois, les prédécesseurs l'ont bien dit. C'est une question de respect des droits de l'homme. C'est une question de smart economics, encore un anglicisme. C'est-à-dire que c'est la base pour une croissance soutenue et inclusive, mais c'est aussi la base pour l'interruption du cycle intergénérationnel de la pauvreté. À la lumière de tout ça, on voit quand même qu'au Maroc, en 2021, le taux de participation des femmes au marché du travail était inférieur à 22%. Et ça, suivant une dynamique en fait décroissante au cours des 10 dernières années. Je vais vous dire ça autrement parce que je trouve que c'est encore plus frappant. En 2018, ça c'est les dernières données qu'on a eues à disposition pour notre étude faite en collaboration avec l'HCP, en 2018, sur environ 13 millions de femmes en âge de travailler au Maroc, il n'y en avait que 2,5 millions qui travaillaient, donc 19%. Et sur ça, il n'y en avait que 1,5 million qui étaient rémunérés pour ce travail, donc 14% des femmes en âge de travailler. Une autre statistique, parce qu'on les aime bien, le pourcentage de femmes chefs d'entreprise au Maroc est passé de 30% à 16% au cours des 10 dernières années. Donc une chute vraiment très très impressionnante. Donc ces taux placent le Maroc vraiment et malheureusement parmi disons les pays qui affichent les taux plus bas dans ces dimensions, donc participation et femmes chefs d'entreprise. Et ça, c'est d'autant plus problématique que le Maroc a des objectifs très ambitieux, mais aussi parce qu'il y a toute une dynamique qui est promue très sérieusement par le gouvernement de transformation sociale. Et on voit ça par la réforme de la protection sociale, par le discours de Sa Majesté le Roi le mois de juillet dernier. Donc vraiment, c'est un impératif de faire quelque chose par rapport à cette situation. Et nous, on s'est penché sur la question, on a identifié à l'aide donc, d'une analyse de données et d'une analyse institutionnelle, des contraintes principales qui empêchent la femme de s'épanouir au niveau professionnel et que bien évidemment interagissent avec la dynamique familiale, hein, comme on l'a si bien dit auparavant. Je vais lister ces contraintes pas en ordre d'importance et je vais revenir sur ça. On parle d'inadéquation du service de transport, on parle de faible inclusion financière, on parle de conditions de travail dans le secteur privé qui ne sont pas family friendly, encore un mot anglais, excusez-moi, on parle des services à l'enfance qui sont insuffisants, en particulier quand on pense à la petite enfance de 0 à 4 ans. Pourquoi je dis que ce n'est pas un ordre d'importance ? Parce que notre étude, je pense que ça c'est un résultat intéressant, a proposé un peu un cadre de priorisation de ces contraintes. Parce que si on veut avancer dans tous ces domaines, il faut aussi le faire de façon séquentielle. Parce que les ressources, comme tout le monde le sait, sont quand même assez limitées.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que ces contraintes, bien qu'étant transversales à toutes les femmes, en fait, elles les affectent de façon différente, avec une intensité différente par rapport au contexte dans lequel les femmes évoluent et leurs caractéristiques. Et là, je vais porter quelques exemples. Si on pense, par exemple, aux femmes, aux jeunes femmes de milieu urbain, avec une éducation, tertiaire, et ben, les contraintes auxquelles elles feront face en priorité, c'est des contraintes, bon, bien évidemment, de disponibilité de l'emploi. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est une grande question. Mais du côté, disons, de l'offre d'emploi, on va avoir des contraintes très importantes en termes de discrimination à l'embauche, au niveau des opportunités d'évolution de carrière, au niveau des salaires. Et ça, ça relève de la question des lois antidiscrimination et de leur application. Les femmes aussi jeunes, bien éduquées en milieu urbain, vont avoir un problème d'assistance à l'enfance, surtout quand elles se marient et qu'elles commencent à avoir des enfants. Pourquoi particulièrement elles et pas le milieu rural? Parce qu'en milieu rural, en fait, il y a du support informel qui est plus intense et qui offre des solutions acceptables, différentes, disons, par rapport à l'urbain. Quand on regarde aux femmes rurales, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des contraintes très, très importantes en termes de transport, d'inclusion financière, qui pourrait effectivement libérer le potentiel, par exemple, de l'agriculture, mais pas uniquement. Les conditions de travail, comme je disais, qui ne sont pas family friendly. La violence sur les femmes, ça c'est transversal, mais en milieu rural, vous pouvez imaginer l'accès à ce parcours de protection qui a été en fait récemment développé avec la nouvelle loi de 2018 et ceux qui en a suivi, eh ben, tout ça est moins accessible dans les milieux plus traditionnels et plus reculés. Donc voilà, je m'arrête ici et c'est très difficile de résumer ça en quelques peu de minutes, mais j'ai hâte de discuter avec vous sur ces questions. Merci. Merci pour cette intervention qui met l'accent sur la ruralité et la citadinité. بين العالم القروي والمدينه يمكن نتناقشوا في هذا الشيء. Donc nous pouvons discuter ces thématiques après avec notre audience. Maintenant la parole est à notre cher professeur Boutine El Mzouri. Au nom de Dieu, le miséricordieux, que la paix soit sur l'âme de son prophète et ses compagnons. Monsieur la ministre de la Solidarité et de la Famille, monsieur le doyen de la Faculté des Sciences et des Lettres, chers intervenants, chère audience, chers professeurs, chers étudiants, bonne soirée. Au début, je suis très heureuse de pouvoir participer avec vous afin de discuter avec les experts d'une thématique d'une importance pour garantir la promotion de la femme, à savoir l'égalité. L'égalité des genres dans le cadre de la famille est conçue comme ou produit des concepts dans le système éducatif. Dans nos sociétés arabes, c'est une question déjà tranchée. C'est une composante qui a été déjà élaborée par la société musulmane afin de promouvoir la situation de la femme dans le cadre de l'institution de la famille. Quel est l'impact de l'allaitement, de l'éducation et afin de garantir l'implication de l'homme dans la famille en général? Donc on ne peut pas considérer l'égalité des genres comme un élément du développement sans nous confronter à des obstacles et à des défis. Donc, lors de cette intervention, je vais mettre l'accent sur ces défis. Donc, avant cela,
avant de mettre l'accent sur ces contraintes, je vais citer un certain nombre de possibilités et d'opportunités mises à la disposition de la société marocaine pour garantir cette égalité. Donc, ces opportunités renforcent l'égalité et consacrent l'égalité au sein des sociétés, au sein de la famille. Donc, la famille, c'est le premier noyau de l'enfant. Et c'est là qu'il construit les premières images de sa vie. Et c'est, par conséquent, elle a des impacts fondamentaux sur un enfant de jeune âge. C'est un espace très important qui cultive les principes de l'égalité à partir de l'imitation, à partir de l'amour, de l'éducation, du travail et de l'action de manière générale. Et ces principes-là ont été consacrés par le Coran, par la religion musulmane et par le Hadith en général, qui consacrent le principe de l'égalité. Donc, les orientations royales de Sa Majesté le Roi sont les vecteurs du développement afin de combler les lacunes relatives au genre. Donc, le Maroc a continué cette dynamique de réforme à l'aide d'un arsenal juridique pour accueillir et cultiver l'égalité des genres. Et Madame la ministre a déjà cité ces opportunités et j'en ai tiré des leçons. Pour ne pas me répéter, donc, quelles sont les opportunités générales, nous avons les dispositions constitutionnelles, l'engagement du Maroc dans le cadre de conventions internationales, la ratification de SIDA, qui est une convention impliquant la radiation de toutes les formes de discrimination entre les genres. Nous avons le code de famille qui s'est transformé du code du statut personnel pour devenir le code de la famille. Donc tout cela nous indique que le principe de l'égalité a été consacré par l'égalité sur la participation des acquis ou des acquis en commun. L'intérêt général de l'enfant. Donc, à partir d'un certain nombre de principes qui ont été disposés par le code de la famille. Également, nous avons la possibilité pour la femme d'avoir la nationalité. Donc, il s'agit là d'opportunités et de possibilités qui sont offertes à la femme. Donc, malgré tout cet arsenal juridique, nous sommes devant des contraintes et des défis qui entravent l'exécution de l'égalité entre les genres. Donc, c'est pour cela que j'invite une sérieuse discussion sur ces défis. Donc, sans doute, l'espace familial est le premier espace où la femme est déjà victime d'équilibre. L'homme est contraint de subvenir aux besoins de sa femme. Mais la femme doit respecter un certain nombre de règles qui ont été imposées par la coutume, prendre la charge de l'éducation des enfants, la charge des tâches ménagères, la charge. Toutes ces charges entravent la participation de la femme dans le marché du travail. D'autant plus que lorsqu'elle se marie, ses missions se voient doublées ou triplées. Donc les sociologues ont répartit les tâches ménagères en quatre parties. Nous avons les tâches ménagères, les tâches éducatives, et puis les tâches les soins, ainsi que la gestion des produits de consommation. Donc, les économistes ne le considèrent pas comme une activité commerciale parce qu'il n'est pas rémunéré. Le CPH a déjà
mis l'accent sur un grand comble entre la participation de la femme et la participation de l'homme dans le temps consacré au travail professionnel et au travail ménagère non rémunéré. Donc les femmes consacrent le cinquième de leur temps pour les tâches ménagères par rapport à l'homme, ainsi que la présence de la femme. La présence de la femme est une notion très, très importante au sein de la famille. Ainsi, la femme se voit réduire le temps du travail professionnel, d'autant plus que lorsqu'elle a des enfants, c'est encore pire. Alors que son conjoint, chez son conjoint, c'est l'inverse. Lorsqu'il a des enfants, il peut produire plus. Donc, quelles sont les causes? D'abord, un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de coutumes et de us. Les études indiquent que 65% pense que la femme n'est pas obligée de travailler si son mari peut subvenir à ses besoins. Donc, elle peut travailler lorsqu'il y a une nécessité économique. Également, les femmes croient que les tâches ménagères et les tâches non rémunérées sont une obligation religieuse, alors que c'est le contraire. À partir de notre histoire musulmane ou de notre religion musulmane. En cas de mort et en cas de divorce, toutes les propriétés qui ont été acquises par l'épouse, deviennent propriétés de l'époux. Nonobstant si c'est elle qui a produit ses acquis et nonobstant le temps qu'elle consacre pour l'éducation de ses enfants et le temps qu'elle consacre pour les tâches ménagères. Donc cette fatwa qui a été faite par Ibn Haldoun et qui a offert la moitié de la propriété de la femme pour son époux si elle est décédée. Donc, et c'est pour cela que le code de la famille est venu avec l'article 49 pour réformer la situation. Donc, un autre problème, nous avons la violence basée sur le genre. Nous ne pouvons pas passer sans parler de la violence. Donc, notre refus de la violence est un refus a été déjà stipulé par les versets coraniques, par le hadith. Cette violence pourrait conduire à la production de générations instables qui sont habituées à la violence et habituées à l'humiliation, ce qui va donner naissance, par exemple, à la rébellion. Donc la violence contre les femmes à partir d'un rapport du CPH est une problématique sociale, économique qui impacte la cohésion et la cohabitation en général et qui menace le développement en toute forme. Donc la violence est coûteuse pour l'État qui a été estimé par le CPH en 2019 à peu près un milliard en 2019. Donc la violence corporelle représente 300 millions, c'est-à-dire 3,5%, avec un pourcentage de 11%. Donc il faut respecter votre temps imparti, s'il vous plaît. Donc je vais conclure. En conclusion, je voudrais dire que le Maroc et les familles marocaines en général ont des opportunités et des capacités pour consacrer l'égalité dans le cadre de la famille. Mais l'appel est lancé pour coopérer et coordonner entre les partenaires et entre les différents acteurs.
Nous devons travailler sur l'égalité des genres, également l'égalité basée sur la race et l'égalité basée sur d'autres éléments, et revoir les concepts régionaux. Donc, il est très important de consacrer ou de reconsidérer les tâches ménagères non rémunérées et assurer une protection sociale, le partage des responsabilités au sein de la famille. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Madame Al-Bzouri. On a l'habitude d'avoir cette vision qui est optimiste. Merci à vous, Madame. La parole au Madame pour Madame Bnanis Mills, présidente de l'Association pour la protection de la famille marocaine. S'il vous plaît, prenez des notes, des questions. L'objectif, ce n'est pas des interventions. On veut avoir un débat entre vous et les intervenants et les intervenantes. Vous avez la parole, madame. Au nom de Dieu, le miséricordieux, je suis très heureuse d'être avec vous, présente dans l'amphithéâtre où j'ai fait mes études. Je suis très heureuse d'être présente avec vous dans l'enceinte de l'université et de la faculté des lettres et des sciences. Donc, en réalité, j'ai entendu la problématique telle qu'elle est et je ne vais pas être longue et je ne vais pas me répéter. Je vais uniquement mettre l'accent sur deux points. Donc, je vais parler du rôle de l'association de la protection de la famille marocaine qui a été fondée par une personnalité, Madame Zohor Zarqa, qui a déjà travaillé dans un domaine fondamental pour le Maroc, c'est-à-dire l'analphabétisation, alors qu'il était âgé de 13 ans. Elle se mobilisait pour apprendre aux femmes analphabètes qui ne pouvaient pas se déplacer vers des centres spécialisés. Donc, vous savez ou non qu'elle fait partie des 5 scientifique de la faculté Qaraouine ou de l'université Qaraouine. Donc, je vais parler à partir de mon intervention. Donc, les politiques publiques nous ont permis, ainsi que le projet qui a été initié par Sa Majesté le Roi, le nouveau modèle développemental. Donc, c'était une opportunité pour la société pour passer un message en dehors de son cadre, passer un message aux responsables et le conseil qui a veillé sur le nouveau modèle développemental. Donc, ce sont des responsables dans différentes sphères. Donc, la société ou l'association, pour nous, la société, c'est femmes et hommes. Bien que l'objectif de notre intervention aujourd'hui, c'est comment atteindre l'égalité des genres. Donc, il n'y a pas d'égalité entre les genres, ou entre les femmes et les hommes. Et les chiffres illustrent cela, bien sûr. Mais nous ne voulons pas nous arrêter devant ce constat. Nous voulons nous approfondir. Donc, pourquoi cette égalité entre les femmes et les hommes, sachant qu'à partir de l'indépendance, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été prises pour passer ce comble. Donc, nous avons le problème, tout d'abord, de l'analphabétisme. Donc, je vais dire uniquement 26%, bien qu'il s'agisse de 29%. Donc, je dis 26% des Marocains ne lisent pas et n'écrivent pas. Donc, ajoutons à cela
la déperdition scolaire qui commence à partir de l'âge du primaire et puis le premier cycle, le deuxième cycle. Donc, et cette situation est encore plus difficile et plus dangereuse que l'analphabétisme. Le deuxième point concerne l'école publique. L'école publique connaît une dégradation. L'école publique n'est plus, et je pèse mes mots, je pourrais également donner des exemples. À Rabat, il y a eu, donc comme j'ai dit, l'école publique a négligé son rôle. Donc elle enseigne des matières, mais l'objectif ou la vocation principale de l'école publique, au primaire par exemple, donc il nous apprenait comment, il nous donnait des leçons éducatives, c'est-à-dire il nous apprenait comment nous laver les mains, des petits gestes d'hygiène. Donc le professeur ou l'instituteur était un exemple. Donc cet exemple manque à l'heure actuelle à notre école publique. Et donc là, c'est une vraie problématique. Deuxièmement, cette école publique sont plutôt des centres, un centre d'un certain point négatif. Donc l'exemple que je voulais vous dire, il y a une institution publique ici, au vu et su de l'administration. Nous avons témoigné la vente du cannabis. Et donc, lorsque les professeurs ont demandé à arrêter cette opération, il a répondu qu'il ne peut pas prendre le risque ou risquer sa vie pour arrêter cette opération. Donc, nous considérons que l'éducation et la formation et l'enseignement sont une base pour créer la société qui garantit l'égalité, l'égalité des chances. Nous parlons de l'égalité des chances dans l'éducation, dans les postes, dans l'enseignement. Et c'est ce que nous avons adressé comme réquisition pour les responsables du nouveau modèle du développement. Donc, parmi les recommandations que nous avons faites, la réforme du système éducatif est devenue une nécessité. Malgré toutes les tentatives, nous sommes un peu perdus pour répondre à la question de quel est l'essence de l'école. Donc, à l'instar d'autres pays, nous avons donné ou nous avons ouvert le champ à d'autres types de formation et d'enseignement. Et c'est pour cela que nous souffrons d'un manque d'équilibre. Nous avons les étudiants de l'école publique et puis les étudiants des écoles privées, des missions. Et nous créons au sein de la société deux types de citoyens. Et ceci donne naissance à l'inégalité entre les citoyens marocains. Le troisième point que je voudrais évoquer est la différence économique entre le milieu urbain et le milieu rural. La ville vit dans le cadre de la migration de la campagne vers la ville ou l'exode rural. Et ceci mène à la création de bidonvilles ou de ghettos en quelque sorte. Ceci nous conduit également à la création de différences et de déséquilibres économiques au sein de la société.
Donc, en résumé, pour ne pas être longue, en résumé, nous avons demandé auprès des responsables du nouveau modèle de développement, il est nécessaire de consacrer l'obligation de lutter contre l'analphabétisme. Mais de quelle lutte contre l'analphabétisme je parle? Je ne parle pas des basiques, des verbes et des mots. C'est-à-dire que nous avons invité ces responsables pour que cette lutte contre l'analphabétisme consacre un certain nombre de connaissances, la connaissance du pays, la connaissance de l'économie, la connaissance de la société, pour permettre à ce citoyen de vivre dans le cadre d'une société qu'il connaît. Nous avons beaucoup de gens qui ne connaissent pas la carte graphique du Maroc. Nous avons également un type de citoyen qui ignore toute information sur l'historique du Maroc. Donc, j'insiste sur le rôle, sur ce rôle d'enseignement de l'histoire et de la géographie du Maroc. Nous avons également invité à des amendements au niveau du code de la famille qui sont indispensables. Parce que le code de la famille a consacré un certain nombre de droits, mais nous avons eu le constat sur l'augmentation des taux de divorce. Surtout que nous avons accordé à l'époux le droit de demander le divorce par discorde. Donc, si vous voulez que je m'arrête, dites-le. Donc, le dernier point, pour conclure. Donc, je reviens au propos de Madame la ministre. En 2018, donc les centres de soins sociaux doit être remplacé par un soutien budgétaire, un soutien financier accordé aux familles. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. On s'excuse pour toutes les intervenantes. Merci, Madame Benani Esmiris, professeure à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines et qui était aussi parlementarien pour 3 mandats. Tu vois, tâche j'ai d'arrêter une parlementarien, mais c'est le jeu. C'est 5 heures, on avait 80 minutes pour le débat. Alors, je m'excuse, je ne peux pas arrêter un tel calibre. Je suis responsable. On ouvre le débat. Comme vous savez, Madame la ministre a des engagements. On doit prendre des questions. Le micro baladeur, s'il vous plaît. On a dit qu'il y a l'égalité et l'équité. S'il y avait beaucoup de femmes plus que les hommes, ça peut être beaucoup mieux. On est là pas pour convaincre. من التجويبه تفضلي في كل بغيت الكلمه تفضلي ومن بعد طالبه اخرى ومن بعد شتيها مزيان المناصفه مزيان ولكن نديرو جوج
ديال الطالبات وطالب وعاوتاني اون بان فيرسيلا مي المناصفه مزيانه يلا تفضلي. السلام عليكم. في اطار البرنامج الذي تحدثتم في اطار البرنامج دونك دون لو كادر دو بروغرام كو فوز افي مونسيوني le travail social, je voudrais vous informer que l'université présente un master dans le cadre de la protection de l'enfance et du soutien de la famille. Donc, pour revenir au sujet, votre question, s'il vous plaît. Donc, la femme ou la famille est un vecteur pour instaurer la qualité ou l'égalité entre les genres, sachant que c'est le premier espace que connaît l'enfant, mais dans le cadre des traditions, des coutumes que connaît la société marocaine, comment peut-on créer une politique sociale, une politique publique qui assure à garantir l'égalité et qui prend en compte les programmes et les études sociales et économiques et en garantissant également l'équilibre entre les régions. Bonsoir. Je m'appelle Fatima Zahra Al-Muntaqi, je suis lauréate de l'université Mohamed VI. Je suis assistante sociale et je me charge des enfants et des femmes victimes de la violence. Je remercie les universitaires et les intervenants ainsi que les partenaires et les organisateurs de cette réunion au cours duquel un certain nombre de points a été soulevé. Donc, je vais parler. Je m'accorde avec les points soulevés par Madame Latifa. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc, je vais essayer de résumer. Donc, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux genres. Au niveau juridique et législatif, par exemple, la femme, en cas de divorce ou de répudiation, si elle quitte le foyer conjugal, elle ne peut pas reprendre ses propriétés. Ce est la question. À quel point on peut dire que les politiques publiques que les législateurs ont instauré pour limiter cette inégalité. Donc je n'ai pas, vous m'avez coupé la parole, je n'ai pas su développer ma question. Donc je vais passer la parole à deux femmes, deux hommes. Et j'ai des questions en ligne que je vais lire également. Donc, une question précise et brève. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous. Donc, concernant la question de la violence, je voudrais dire que nous avons besoin de rencontres comme celle-ci avec... Donc, je travaille avec la philosophie du bonheur. Donc, en tant que société... Est-ce que nous avons une philosophie de la vie commune, de la vie conjugale? Est-ce que dans le cadre de cette crise est due à l'absence de la philosophie de l'amour, de l'énergie de l'amour? Pourquoi nous avons une crise de principe, une crise de philosophie, une crise d'amour? Donc, laissez-moi parler avec vous. Je travaille dans la philosophie spirituelle.
nous avons ce qu'on appelle le royaume des mouminines. Nous avons un problème au sein des écoles concernant la question du violence. Nous avons des racines, nous avons une expérience patrimoniale, nous avons une histoire, nous avons un bagage historique. Donc je remercie l'audience pour... Donc je vais passer directement à la question. Youssef Adibi, chercheur dans la biologie médicinale. Donc toutes les questions se sont basées sur les politiques publiques orientées vers la femme. Donc quelle est l'application de ces politiques publiques? Est-ce qu'on prend en considération l'approche participative dans la mise en place de ces politiques publiques? Est-ce qu'on prend en compte les caractéristiques de chaque région et de chaque ville du Maroc? Donc nous allons prendre deux questions en ligne. Donc si vous me permettez, cher intervenant, de rester avec nous. Donc Madame la ministre va répondre parce qu'elle a déjà un rendez-vous après. Donc elle va prendre la parole pour répondre aux questions et ensuite nous pouvons continuer 20 minutes de discussion. Avec les questions en ligne. Donc, merci, monsieur le doyen. Je remercie les étudiants et monsieur le professeur pour vos interventions précieuses. Donc, pour le travail sociétal, donc nous sommes responsables de toutes les formations dans le domaine sociétal. Nous avons le centre de formation sociétale qui débauche. Nous avons également d'autres formations. J'étais présidente de l'université Mohamed V, mais ceci n'est pas suffisant. Nous parlons de 1000 lauréats chaque année. Est-ce que l'ENAS peut faire ça tout seul? Est-ce que l'université peut faire ça toute seule? Non, c'est pour cela que nous sommes venus avec l'idée de ce programme pour trouver un partenariat avec le ministère parce que nous avons un travail de terrain afin de parvenir rapidement et avec un moindre coût. Nous avons les spécialités, des formations, nous avons un programme ambitieux, un cursus de l'action sociale qui sera mis sur le terrain, qui va englober toutes les universités de toutes les villes marocaines. Parce que 1000 lauréats, on ne peut pas les produire à partir d'une seule université. Donc, concernant l'université, le ministère, nous travaillons dans le cadre d'un benchmarking. Nous nous sommes inspirés d'expériences internationales. Nous parlons pour la première fois au Maroc de politique familiale. Nous avions avant une politique de femmes, une politique de personnes âgées, une politique d'enfants, mais toutes ces personnes vivent et cohabitent au sein d'un seul milieu. Comment faire de cet espace un espace qui les pousse de l'avant et qui conservent leurs droits? Donc nous avons une synergie, une convergence entre ce qui est publié et ce qui est issu de notre religion. Et donc ce milieu familial a besoin d'une politique familiale qui supporte et qui soutient la famille en général pour faire d'elle un levier du développement. Donc, vous avez parlé d'un débat public et d'un débat dans le cadre de la société civile. Lorsque la femme, par exemple, est victime de divorce, donc comment on peut lui garantir le droit d'avoir ses acquis en commun dans le cadre du mariage? Nous avons besoin d'une politique ou d'un pouvoir de proposition. Nous avons l'honneur parce que notre roi,
Sa Majesté le roi Mohammed VI, il pousse les droits de la femme vers l'avant. Il a invité à la révision et à la réforme du code de la famille. Donc nous avons des idées et la discussion est là, mais nous avons besoin de temps dans le cadre de politique publique. Nous avons une riche histoire. Nous avons un certain nombre de composantes de la société. Vous avez... bien sûr, je suis pour la politique du bonheur et du bien-être et du respect au sein de la société, au sein de la famille et de la cohabitation. Tous ces éléments sont très importants pour accompagner les enfants. Donc, je suis scientifique. La famille a besoin d'accompagnement, a besoin de programmes d'accompagnement. Donc, comment cohabiter avec un enfant? Comment éduquer un enfant? Comment cohabiter avec un époux? Donc, grâce à Dieu, avant, nous avions une génération, nos grands-mères et nos mères, qui nous apprenaient les principes de la cohabitation et de l'éducation des enfants. Donc, nos générations actuelles manquent de transmission. Donc, je ne vais pas citer les causes, mais l'école doit jouer son rôle, l'université doit jouer son rôle et ainsi la société civile. Donc, ce sont des choses qu'on peut modéliser et trouver une solution. Donc l'étudiant, je suis un peu fatiguée, si vous pouvez nous rappeler votre question. Bien sûr, merci. Donc, avant de sortir avec une politique publique ou une stratégie au sein du ministère, nous avons adopté une approche participative. Nous avons commencé de Darla et nous sommes partis jusqu'à Tanger. Donc nous avons organisé un certain nombre de rencontres avec les différents acteurs sociaux, et l'université, la société civile, et c'était très très important en tant que qu'académienne, nous devons faire des diagnostics. Nous ne pouvons pas trouver une solution pour une problématique vécue par un certain nombre d'acteurs. Et donc, il fallait adopter une approche participative et la stratégie que nous avons adoptée a été reformulée et enrichie par un certain nombre d'idées que nous avons entendues sur le terrain. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. Tout est sujet à discussion, tout est sujet à modification. Chaque année, il y aura des modifications et des amendements. Donc, nous adoptons la souplesse et la flexibilité, le but étant de mener à bien notre mission afin de créer une stratégie inclusive et smart. Bien que je sois une ingénieure dans le digital, je parle ici de smart dans le cadre humain, afin de créer une réinnovation sociale pour permettre à la société de contribuer chacun à partir de son rôle pour créer un meilleur demain, un meilleur futur pour nos générations. Merci beaucoup, cher ministre. Donc, pour les autres panélistes, vous allez répondre à questions. Donc, je vais accompagner Madame la ministre et on revient. Ne sortez pas de la salle, s'il vous plaît. Bon. Non. Merci. Je souhaite qu'il y aura un débat des propositions de la salle et d'autres expériences. Ce qui est fondamental pour nous, c'est aussi de vous entendre. Ce que je voulais dire,
ce que j'ai senti de la salle, s'il y a un vide entre les politiques publiques et son mise en œuvre. Avant de dire qu'on a réalisé des initiatives, c'est pas aujourd'hui, mais le Maroc a une histoire. On commence pas du zéro, mais d'autres initiatives qui ont été accumulées plus que 20 ans. On a parlé du Douana, ce que monsieur avait parlé sur l'amour, le préambule, le mariage qui a été bâti sur la relation entre le mari qui finance et la femme qui obéit, mais dans le code de 2004, le mariage, c'est une relation basée sur l'amour et l'affection. Alors, on parle d'une chose qui existe, mais le vide entre les textes et notre société. Je crois que la relation avec la société n'est pas contrôlée juste par le côté législatif. Il y a l'école, les relations sociétales et l'impact du média. Qu'est-ce qu'on consomme pour le stéréotype pour la femme? Quand on parle de l'égalité, on parle d'un système, un écosystème où il y a la famille qui est la base de la coexistence, la participation, les décisions, et la vision vers le futur, la participation des enfants. C'est pour cela que nous, à l'université, vous êtes la génération, on va avoir un investissement. C'est, vous êtes là pour demain, pour la contribution d'une société qui est différente. Malheureusement, il y a une société aujourd'hui où il n'y a pas il y a l'inégalité. Et il a un impact sur le côté psychologique et il y a un rapport qui a été présenté par la Banque mondiale. Il a un impact sur la société et la transmission de la violence de génération à une autre. On doit arrêter ce circuit de l'inégalité dans un écosystème des valeurs. C'est quoi les valeurs? La religion islamique est basée sur la justice. Je ne peux pas voir une société où l'islam empêche tout ce qui est où il n'y a pas de l'inégalité. Et tout ce qui a été mentionné par Sa Majesté, où il a parlé, il faut revoir la réforme, ou revoir le code de la famille et remédier aux déviations. Là, je comprends qu'il y a des problèmes au niveau de la mise en œuvre pour la Constitution a stipulé l'autorité pour la parité et l'équité, ça n'a pas été encore mis en œuvre et on doit prendre ça en considération. Merci. Le microphone, s'il vous plaît. Je voulais juste dire ce qui se passe dans la société, les idées qu'on a bien entendues maintenant et le plaisir de... peut-être que vous n'allez pas bien me comprendre. Le concept de l'injustice, la cause, c'est l'analphabétisme. Ce n'est pas l'analphabétisme de lire et écrire. L'analphabétisme de comprendre la réalité des choses, la réalité de la religion, de le développement. C'est ce qu'on doit combattre ou lutter contre. C'est pour cela qu'on a dit lutter. L'analphabétisme, pas juste des ABC,
mais on parle avec des gens qui sont matures, qui ont de l'expérience dans la vie. Il y a un autre problème pour éliminer l'injustice et la violence contre les femmes. Et c'est une réaction quand il y a de l'injustice, même les hommes, parce qu'ils sont, qu'ils se sont, qu'il y a de l'injustice contre eux. L'injustice contre l'homme, c'est le manque de travail et d'autres choses sociétales. Et cela, ça c'est pas un prétexte, mais c'est une réalité. On peut, pour ceux qui doivent imposer tout cela. La violence contre la femme, c'est entre la femme et le mari. Alors, c'est un espace où on peut externaliser une pression psychique. Peut-être le mari, parfois, il croit que la femme, c'est une propriété. Là, pour nous, pour nos centres, on doit travailler contre l'analphabétisme, pas au niveau de la lecture, mais on doit éradiquer ce genre de l'alphabétisme dans la société marocaine. Le troisième élément pour la violence dans notre société, c'est la question d'inégalité qui augmente jour après jour. Il y a aussi le problème de quelques phénomènes. Une personne qui a une fortune, elle est là pour... qui frime spécialement aujourd'hui avec le social media, le média, elle contribue dans la question de l'inégalité, parce que c'est très très négatif. Ce sont les phénomènes qu'on doit concentrer sur pour avoir toutes les politiques publiques. Il faut prendre toutes ces initiatives, lutter l'analphabétisme, combattre la question d'inégalité et combattre la corruption. La corruption, c'est un problème entre la catégorie qui ont la possibilité de prendre les choses entre leurs mains. Je dois dire que dans la plupart des gens qui ont été élus, ils sont pas là pour servir la société, mais c'est pour se protéger contre la pauvreté ou contre les autres. Il y a toujours une question. Les élections, il y a toujours des gens qui sont mal placés. Alors, donc, ces élus sont élus par les pauvres. Donc, nous devons lutter contre ces phénomènes et vous êtes les responsables parce que moi, j'ai déjà fini ma mission. Vous êtes chargé de lutter contre cette inégalité intellectuelle, inégalité entre les masses et de prendre l'habitude d'instaurer ce principe de l'inégalité et de la répartition des richesses. Ceci va nous permettre d'être une nation mature. Nous manquons de cette maturité et vous devez instaurer cette maturité. Donc nous avons des questions en ligne que nous allons prendre des questions en
en arabe et en français. Donc, je vais les lire en ordre. Première question en français. Le texte européen souffre d'une vision de leur infériorité dans l'utilisation de leur corps, par exemple dans la publicité. Et le pourcentage de femmes dans les structures de l'administration publique, des marchés et des entreprises est très faible. Ainsi que dans la sphère politique. Pour cette raison, on ne peut pas, par exemple, porter tous les fardeaux de la religion ou de la tradition sur le retard des femmes. C'est pourquoi je demande quelles sont les raisons de cette situation qui concerne les femmes européennes et comment en sortir. Une question de quelqu'un qui s'appelle Mohamed Assil. La deuxième question en français aussi. Et ces évolutions en termes de grande égalité des genres au sein de la famille, a-t-il réellement pu améliorer la place de la femme? سؤال ثالث باللغة العربية ما هو مصير Quel est le sort des femmes retraitées? Est-ce que vous avez un programme de retraite? Est-ce qu'il y a un programme de vie après la retraite? Nous avons pris des demandes issues de retraités, femmes et hommes. Donc ces demandes se sont augmentées. Ils voudraient s'inscrire en licence. Et je pense que c'est un indicateur positif. Mais nous devons avoir les outils et le budget nécessaire afin de pouvoir accueillir tous les étudiants de n'importe quel âge. Et donc, c'est une problématique qui s'impose pour les universités qui sont ouvertes, par exemple les universités de lettres et les universités de droit. Donc, question 4. De questions, ça c'est pas une question, ça c'est une réclamation. De questions des étudiants quand on ne les a pas encore entendus et ça fait une bonne transition. Donc je donne maintenant la parole à notre audience, chers étudiants, chères étudiantes, si vous avez des questions à poser. Bonne soirée. Donc, je remercie les professeurs. Donc, ce concept de l'égalité est un concept un peu flou et duel, comme dirait Dr Abdelkrim El-Ghaleb dans son ouvrage. Donc, le concept étant flou et produit une crise intellectuelle. Et donc, la problématique de l'égalité nécessite une pratique, soit au sein de la société ou en général, ou au sein de la famille en particulier. Donc la question de l'égalité, est-ce que c'est une question, quels sont les enjeux? Est-ce que c'est un enjeu de décision ou un enjeu d'institutionnalisation? Badawi Saïd, première année en sociologie. Donc mes questions seront directes. Donc la sociologie du développement, coordinateur Monsieur Abouazaoui. Master. مصر مصر بعزاوي نعم لدي اربع اسئله donc j'ai quatre questions. Comment peut comment la famille pourrait être un espace d'égalité s'il n'y a pas un développement social et éducatif? Est-ce que lorsque nous parlons d'égalité, est-ce que nous pouvons parler d'égalité lorsqu'il n'y a pas d'éducation homogène et intègre, loin de toute approche psychique et primaire et secondaire? Est-ce que nous pouvons parler d'éducation en absence des éléments d'égalité
en absence d'éléments éducatifs équilibrés. Donc, pour parler du comble entre le rôle des femmes et des hommes, est-ce que nous pouvons considérer cette augmentation des taux est due aux besoins de l'enfant envers sa mère, surtout pendant le premier âge, selon ce qui a été issu par Monsieur Rigelson, la confiance et le manque de confiance. Donc le besoin de la présence de la femme, par exemple l'allaitement qui s'étale sur 2 ans, est-ce que nous pouvons psychologiquement expliquer ça par le rôle, la répartition des rôles et l'augmentation du comble entre le rôle de l'homme et de la femme? Et quel est le remède à cette situation? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Brahim Azhari, doctorant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohamedia. D'accord. En fait, étant donné que les inégalités, ou bien l'inégalité est un concept qui devrait normalement prendre en considération les spécificités géographiques et historiques, et étant donné que le Maroc est marqué par deux événements majeurs qui ont l'arabisation, ou bien la conquête des Arabes, et l'indépendance, qui est un petit peu paradoxal, ces deux événements. Un événement qui essaye de moderniser le Maroc et de parler du Maroc, des institutions, etc. Et un autre modèle qui est religieux, si vous voulez. Donc ma question est pour la madame de la Banque mondiale. Est-ce que la Banque mondiale prend en considération ces deux événements majeurs qui ont marqué l'histoire du Maroc dans les recommandations qui sont faites au Maroc au niveau du genre? Et la deuxième question, c'est pour la madame, c'est pas votre prénom, désolé, ouais. Est-ce que la vision religieuse n'est pas en contradiction avec les définitions ou bien les bases ou bien la définition occidentale du genre? Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette rencontre importante. Je considère qu'il y a un certain nombre de politiques publiques et de lois qui ont été adoptées afin de consacrer cette égalité. Est-ce que vous ne pensez pas que la problématique qui reste et qui demeure en tant que défi devant l'application, à savoir les stéréotypes au sein de la société, qui restent enracinés au sein de la société, que par exemple la sociologue Fatima Mernissi a essayé d'effacer à partir de ces écritures, à partir de ces ouvrages, pour lire et relire ce registre historique, pour s'arrêter, prendre en considération ce même phénomène sociétal. Alors comment éradier ces stéréotypes? Parce que sans cela, toutes les politiques publiques et toutes les lois vont rester lettre sur papier ou noir sur blanc. Donc nous allons nous arrêter à ces questions-là. On n'a pas les images des collègues qui sont en ligne. Madame Zineb Chbihi, si vous voulez intervenir, bien évidemment, mais comme d'autres sont partis, je croyais que vous étiez parti aussi. Vous êtes toujours là? Je suis là. Oui.
voulez intervenir tout de suite pour répondre à l'une de ces questions ou bien on vous laisse pour tout à l'heure? Comme vous voulez, je pourrais rapidement répondre peut-être à l'intervention, à la question de la banque qui a posé la question par rapport au rôle de la mère versus celui du père au cours de la petite enfance, donc par rapport aux besoins du nouveau-né. Nous, à travers les études qu'on a menées, mais aussi les études scientifiques et les recherches sociologiques sur la question, il a bien été prouvé que la seule différence entre la mère, la femme et l'homme par rapport à cette question de maternité ou de soins aux enfants, c'est bien le fait que la femme peut allaiter contrairement à l'homme qui ne peut pas le faire. Donc, excusez-moi de vous interrompre, mais on ne vous entend pas bien. Je ne sais pas d'où vient le... Allô? Oui, on ne vous entend pas bien. Votre voix n'est pas claire, n'est pas distincte. C'est un problème technique, je crois. Ça vient de nous? Oui, je ne sais pas, parce que c'est un peu flou aussi quand vous parlez. Parce que le technicien me dit que c'est parce que vous portez un masque, un casque. Pas un masque, mais un casque. Je portais le casque aussi tout à l'heure. Ah, d'accord. Vous comprenez maintenant? Approchez du micro, s'il vous plaît. Veuillez approcher du micro. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Maintenant, oui. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Désolée, il n'y a plus d'assistant technique ici pour m'aider à régler ce problème. C'est bon. C'est bon maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, parfait. Donc, je disais rapidement que la seule différence, bien entendu, entre l'homme et la femme par rapport aux enfants, c'est que la femme peut allaiter, contrairement à l'homme qui ne peut jusqu'à présent pas le faire. Mais tout ce qui concerne les autres tâches de soins et de prise en charge des enfants, il a été prouvé et documenté à travers différentes études que les hommes peuvent très bien participer et ils sont encouragés en fait à le faire très tôt, parce qu'il a été prouvé que les pères qui s'appliquent et qui s'engagent très tôt dans la vie de leurs enfants sont plus susceptibles de continuer à s'engager par la suite dans la prestation de soins pour les enfants. Et c'est là aussi toute la logique derrière le plaidoyer pour accorder un congé paternité aux hommes, justement, pour qu'ils puissent bénéficier de cette période très tôt et de construire un lien entre eux et leurs enfants. Donc, il n'y a pas d'étude vraiment qui dit que l'enfant a besoin plus de sa mère que de son père. Les deux sont très importants. Certes, le rapport de la mère avec l'enfant est très important et crucial pour le développement de du jeune enfant, mais cela ne n'empêche pas le père de s'impliquer très tôt. Et cela, bien sûr, a des bénéfices non seulement sur le père, mais aussi sur la mère et sur l'enfant. Voilà par rapport à ce point-là. Par rapport à tout ce qui au commentaire qui a été fait par rapport à la Mudouana et peut-être voilà, au code de la famille et ce qu'il a réellement apporté. Des avantages. Vous m'entendez? Oui. Donc, on le sait, il y a eu le code de la famille a été apporté des changements législatifs majeurs. Il a contribué à ce que la femme marocaine bénéficie de plus d'égalité, mais on est aujourd'hui confronté à un constat qu'il y a eu une évolution dans le statut des femmes au niveau de la société marocaine, et qu'il y a justement encore des dispositions discriminatoires dans le code de la famille qu'il va falloir adresser. Et justement, c'était également l'appel de Sa Majesté le Roi dans son dernier discours de procéder à une réforme de cette législation
Lors du dernier, la dernière revue par le comité CEDAW du rapport du Maroc, donc il a été, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites dans ce sens. Il a été recommandé au Maroc d'abroger l'article 20 du Code de la famille, donc qui autorisait les exceptions à l'âge minimum du mariage, et donc l'idée c'est de ne plus les autoriser. Il a été également question de recommander l'abolition de la polygamie et de veiller à ce que le principe de consentement libre et éclairé soit bien appliqué à la résiliation du contrat de mariage, et puis aussi reconnaître le droit aux mères célibataires de faire valoir leurs droits et ceux de leurs enfants sans craindre d'être exposés à des poursuites et également à la stigmatisation. Et puis, bien sûr, il y a eu plusieurs recommandations concernant les dispositions légales qui garantissaient la dissolution du mariage et le fait que les femmes ont des droits et des droits égaux en matière des biens acquis pendant le mariage. Donc il y a pas mal d'efforts à faire pour que cette législation soit réellement conforme aux engagements internationaux du Maroc par rapport à la CEDAW et à la lutte contre ces efforts en termes de lutte contre les discriminations et à promotion des droits humains des femmes. Voilà pour ces deux questions. Je laisse les autres intervenants et intervenantes répondre peut-être avant d'aborder d'autres questions qui ont été posées. Merci. Je vous remercie. Madame Federica Marzo, économiste à la Banque mondiale, il y a une question qui vous a été directement posée. Vous voulez y répondre ? Bien sûr. Je vous en prie. Vous m'entendez ? Très bien. Donc la question se référait en fait à comment à la Banque mondiale on conceptualise, on mesure, on traite des inégalités de genre dans chaque pays, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on prend en considération les spécificités historiques et culturelles de chaque pays et donc spécifiquement dans le cas du Maroc? Donc, à la banque, comme j'ai à peine, illustré lors de mon intervention, on conceptualise les inégalités des genres. On pense aux inégalités des genres comme des inégalités, comme affectant plutôt l'égalité de chance, quelque part, et d'opportunité. Et en tant que tel, c'est effectivement un droit humain fondamental. Le droit à se soigner, le droit à s'éduquer, le droit à avoir un travail, à gagner de l'argent à hauteur de l'effort qu'on y met et à égalité avec l'autre sexe. Donc ça, c'est vraiment ça relève des égalités d'opportunité et en tant que tel, comme je disais, il s'agit d'un droit humain fondamental. Est-ce que ce cadre, on le décline par rapport aux spécificités des pays ? Oui et non. Le droit de l'homme, il s'applique partout. Après, est-ce qu'on peut les comprendre ou comprendre ces inégalités en utilisant le point de vue de l'histoire, de l'historique et de la culture de chaque pays? Bien évidemment. Quand on se penche sur le cas marocain, pour comprendre pourquoi il y a cette situation, on va essayer de le faire en analysant les aspects économiques, culturels et historiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas appeler une inégalité avec son nom. Ensuite, la conséquence, disons, opérationnelle, c'est que bien évidemment aussi, dans la conceptualisation de politiques, de mesures qui visent à diminuer ces inégalités, aussi, il va falloir trouver des politiques qui soient pas seulement solides au niveau technique, mais qu'elles soient aussi acceptables au niveau politique et au niveau social. Parce que de proposer une réforme qui n'est pas réaliste parce que le pays n'est pas prêt pour une telle réforme, une telle politique, ne nous amène à rien, ou même ça peut faire reculer les progrès du fait de générer une réaction à cette politique qui peut être perçue comme imposée ou pas adaptée.
Cela dit, dans le cas du Maroc, on voit que si on entend les discours du gouvernement et de Sa Majesté le Roi, il y a en ce moment historique une poussée vers le progrès et vers cette transformation sociale que je mentionnais lors de mon intervention, que nous, au niveau de la Banque mondiale, on souhaite accompagner, bien évidemment. Mais peut-être pour conclure, je voulais aussi conclure sur une note un peu positive. Quand on rentre un peu dans la discussion sur les normes sociales et culturelles, on a l'impression souvent que ce soit un peu sans issue parce qu'elles sont perçues comme presque définitives, comme très contraignantes. Il est vrai que quand on parle de normes sociales, il y en a qui sont très persévérantes, comment dire, qui ont du mal à évoluer. Mais ce n'est pas le cas partout et ce n'est pas le cas tout le temps dans l'histoire des pays. On voit, par exemple, en regardant les indicateurs marocains, que les choses sont en train de changer. Et on voit dans le monde que les normes sociales, en fait, elles sont beaucoup plus souples qu'on en pense. Elles peuvent changer aussi très rapidement s'il y a les conditions pour que cela se produise. Ces conditions peuvent être des opportunités économiques, des chocs économiques ou sociaux. On pense, et je pense... que par exemple, au jour d'aujourd'hui, la question du changement climatique, par exemple, nous offre une opportunité, pas qu'au Maroc par ailleurs, pour réfléchir et être courageux sur des réformes qui pourraient ouvrir des opportunités pour les femmes, des opportunités par exemple d'emploi, qui soient des emplois verts, des emplois productifs, et qui puissent effectivement donner cette poussée qui pourrait accélérer même le changement culturel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Razzouri, je crois que c'est la dernière question. Madame Zachrouni, et on doit conclure. Madame Boutenarzoul. Donc, il ne s'agit pas de réponse proprement dite, mais une réaction, une interaction, un échange, plutôt un débat, si vous voulez. Donc, je vais répondre. Malheureusement, toutes les personnes qui ont déjà posé les questions sont déjà parties. Donc, en cas de divorce, la femme ne peut pas... restaurer ses propriétés. Nous savons que la femme investit son temps dans l'institution du mariage. Et donc, devant une situation de divorce, elle se retrouve... Elle ne peut pas avoir cette propriété si elle n'a pas un document légal qui justifie cette propriété. Et c'est pour cela que le Code de la famille est venu avec l'article 49 qui garantit à la femme le droit d'établir un acte séparé de l'acte de mariage dans lequel les époux vont convenir de la manière de répartir les acquis en commun. Donc... le monsieur qui a déjà mentionné les principes de l'amour et de l'amitié, nous savons que la religion musulmane est riche en opportunités. Elle ne met pas l'enjeu uniquement sur l'amour. Les sociologues font la différence entre un certain nombre de types d'amour. Nous savons que la religion musulmane, avec ses lois et ses législations, encadre la relation familiale lors de l'amour et de la séparation également. Donc la relation familiale est stable et garantit l'instauration de l'égalité et dans le respect des droits des uns et des autres. Nous pouvons tirer ici le hadith du prophète et un certain nombre de versets coraniques.
Donc l'institution du mariage n'est pas uniquement basée sur l'amour, mais également sur l'amitié et l'affection. Donc il s'agit là de principes humains et non de principes uniquement musulmans. Donc ça nous offre un certain nombre d'opportunités qui pourraient encadrer et consacrer l'égalité dans les relations conjugales. Donc, une autre question. De la doctorante dans le cadre de l'égalité. Est-ce qu'on peut parler d'une égalité en l'absence d'éléments éducatifs et sociologiques? Donc, vous avez cité quatre éléments, je me suis souvenu uniquement de deux. Donc, la réalisation de cette égalité est tributaire d'une formation intégrée, sociale, éducative, morale et sociologique. Donc, on ne peut pas se baser uniquement sur des lois et des législations pour consacrer cette égalité. Et c'est pour cela que l'appel était lancé à ce qu'il y ait des structures de formation, soit dans le système en master ou en doctorat, ou même en licence, parce que cela va être une nouvelle feuille de route pour la spécialisation. Donc, pas uniquement pour... Nous avons besoin d'une spécialisation pour pouvoir produire des études pertinentes pour donner des... définition à ces concepts assez flous. À chaque fois qu'on lit un ouvrage, les idéologies et les croyances sont les premières choses que nous relevons d'un ouvrage. Donc pour la question pertinente que vous allez mentionner, madame, vous allez parler du besoin de la maternité. C'est pour cela que la femme consacre ou investit plus de temps dans son métier de maman. Les tâches ménagères dont nous parlons, elles ne se limitent pas uniquement au travail maternel. Donc nous avons dit tout à l'heure le travail de soi, le travail éducatif, le travail de consommation. Donc... ces travaux-là ne permettent pas à la femme de s'investir dans son travail de maman. Donc, en tant que spécialiste dans le fiqh et de la religion musulmane, lorsque nous revenons à la structure musulmane, la femme est exempte de toutes ces tâches. Des tâches de soins. Donc la maternité ne va pas faire de la femme une femme prisonnière de la maison. Elle est un être humain qui peut vivre dans le cadre d'un travail biologique ou économique et social. Donc la femme ne peut pas rester prisonnière de la maison. Et nous ne pouvons pas imaginer cette fonction si la femme n'est pas consciente des changements temporelle et spatio-temporelle. Donc, la conception européenne du genre, nous savons que la religion musulmane est une religion universelle qui comprend des principes universels. Et c'est ce qui a été déjà stipulé par la représentante de la Banque mondiale, qui sont inspirés de la religion. Mais l'application suivant un certain nombre de données pose problème. Donc comment contextualiser, comment appliquer l'égalité, comment appliquer l'équité et l'égalité des genres. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie, madame, pour votre réponse. Juste une petite addition pour la question qui concerne la maternité. Sur ce que madame a indiqué, c'est le même concept que j'ai.
ce qu'on dit, l'intégration de on peut prendre tout ça quand on pose les publics, les politiques publiques, les deux, le couple qui sont en train de vivre. Ce qu'on demande et que les politiques publiques doivent faire attention, il y a des chemins de carrière pour les femmes pour prendre ça en considération. C'est le côté qui est en relation avec la maternité. La maternité ou le travail de la maison sont une barrière devant sa carrière parce que les politiques publiques ne prennent pas en considération. Ce n'est pas un travail qui a, on peut dire un salaire, mais elle a un impact sur la société et la famille. Ce qu'on peut comprendre comme écosystème et le revoir et prendre la l'approche genre, ça c'est une chose. D'autre chose, c'est la spécificité et la vision occidentale. C'est-à-dire, on doit faire attention car la spécificité peut être un problème et peut être un prétexte pour passer ou bien la résistance, on peut la mettre dans la spécificité. Qui nous contrôle au Maroc, c'est il y a un, la constitution, j'étais présente en 2011, qu'il y avait des votes, tous les Marocains ont voté pour cette constitution. Leur constitution stipule que les valeurs universelles sont une clause de la constitution. La question de la femme, elle est stipulée que les conventions internationales suppriment les lois locales. On croit que les droits et la justice est une spécificité de toutes les sociétés. En fait, c'est quoi les obstacles? Il y a la CEDAO, le Maroc a ratifié, mais il y a d'autres réserves qui n'ont été pas résolues. L'autre chose, la société marocaine est variée. On doit écouter tout le monde. Je suis avec les politiques participatives. On doit écouter à tout le monde. On doit résoudre tous les problèmes. Si on fait ça, on doit contribuer pour la stabilité dans nos sociétés. Les problèmes de la violence et d'autres choses, on a les spécialistes, les experts qui peuvent trouver des solutions pour arriver à une société où il y a le bien-être et créer un environnement. Je crois que vous pouvez faire ce genre de travail, créer un environnement où il y a le dialogue pour résoudre nos problèmes et être dans une société équilibrée. Et merci, monsieur le doyen. Merci à vous, Madame Excellence Ministre Nzaha Chakrouni. Donc, je voudrais, à la fin de cette rencontre, autour de cette problématique, la problématique de la famille et du développement, je voudrais vous remercier. Donc, je remercie les intervenants, Madame la Ministre, Madame Awatif Hayyar, ministre de la solidarité et de la famille. Je remercie Madame Nzaha Chakrouni. Je remercie Madame Zineb Chbihi. Frédérica Marzou, économiste à la Banque mondiale, Boutine Al-Ghalbzouri, Latifa. Donc Latifa Bennani, Boutine Al-Ghalbzouri. Je remercie
chère audience, pour votre interaction, pour votre patience et pour vos... Donc je remercie surtout nos chers étudiants et je vous invite encore une fois, comme je dis ça à chaque occasion, d'assister à ces rencontres intellectuelles et scientifiques parce qu'elles contribuent à la construction de la personnalité de l'étudiant. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous pouvez nous poursuivre sur Facebook, FRSH, espace Rabat. Afin d'être à jour concernant nos activités, ce que nous avons déjà fait et nos activités prochaines. Merci beaucoup pour votre attention.